Bonjour, je me présente. Mon nom est Tom Vigent, je suis sommelier. C'est moi qui vais vous accompagner tout au long de votre cours sur le vin. Quand on y pense, le vin est un sujet quand même assez fascinant, en ce sens que le vin est rassembleur par les passions qu'il suscite quand on est autour de la table. Mais le vin, c'est aussi divisé. Divisé quand on se sent peut-être intimidé par le fait qu'il y a tellement de connaissances qu'on a l'impression qu'on doit posséder pour pouvoir apprécier le vin. Donc, est-ce qu'on prend le vin trop au sérieux ou est-ce qu'il faut vraiment être un connaisseur ou un expert pour pleinement l'apprécier? J'en parle avec David Pelletier, qui est l'homme derrière le très populaire blog de vin, lesommelierfou.com. Donc, bonsoir David. Bonsoir Tom. Bienvenue et merci d'avoir accepté de te joindre à nous. Merci, merci pour l'invitation. En fait, je suis très honoré de faire partie de ce cours-là. Super, donc j'ai bien hâte de te parler, David. David, depuis quelques années, il y a de plus en plus de sommeliers, de chroniqueurs qui disent vouloir rendre le sujet du vin plus accessible là, à monsieur, madame, tout le monde. D'ailleurs, toi, quand on va faire un tour sur ton blog, on voit là, qu'il y a un souci justement de vulgarisation, de rendre ça simple, de rendre ça accessible. Selon toi, est-ce que c'est mission accomplie? Cet objectif-là, ou est-ce que le vin est encore traité de façon trop hautaine ou trop guindée? Ben, disons, c'est sûr que oui, il y a des gens qui vont en parler avec un peu plus de coffre, de hauteur, mais je dirais que il y a de plus en plus, on constate une variété dans les voix qui s'expriment sur le vin. Donc, à partir de ce moment-là, oui, je pense que c'est mission accomplie. C'est sûr qu'il va toujours y avoir des gens qui vont avoir besoin de se faire dire que c'est sensé d'acheter une bouteille à 2000, 2500 $, mais il y a aussi une clientèle qui a besoin d'aide pour découvrir ces trouvailles-là qui sont autour de 15 ou 20 $. Et il y a tous les gens qui se tiennent au milieu dans le spectre. Et puis, je pense qu'il maintenant, il y a une voie pour pas mal tous ces gens-là. Donc, à mon avis, c'est mission accomplie. Bon, c'est intéressant que justement à l'ère de l'information, justement avec toutes les plateformes numériques, je pense que ça a contribué à rendre ça un petit peu plus facile, peut-être. Et Surtout si puis, on pense, surtout si on pense aux réseaux sociaux, en fait, ça a été, c'est ce qui a vraiment révolutionné la façon dont on parle du vin maintenant. ouais, tu as raison. Et qu'est-ce que tu penses du vocabulaire qui est utilisé par les chroniqueurs ou les critiques de vin pour parler des vins? Personnellement, je pense que c'est important d'avoir un vocabulaire qui est précis. Bon, je suis quelqu'un, quand j'écris mes billets, je me permets une certaine fantaisie littéraire parce que ça, c'est un autre monde que j'essaie de créer. Mais quand vient le temps d'écrire des notes de dégustation, je crois en un système, je crois en un vocabulaire concis, précis, que les gens vont comprendre facilement. Je pense que c'est important parce que les gens ont besoin d'être rassurés sur ce qu'ils sont capables d'identifier eux-mêmes dans le vin. Et puis, si on va trop dans le côté technique, si on leur parle de choses qui demandent qu'on ait fouillé un peu, ben là, c'est clair que ça va les intimider. C'est bien beau de dire d'un vin qui est suave, qui est sapide, qui est gouléant, mais encore faut-il que quelqu'un l'aurait expliquer avant ce que ça veut dire. Moi, je me concentre sur les sensations, les saveurs, les arômes, l'acidité, ce que ça fait dans la bouche, de façon à ce que les gens s'y reconnaissent. Donc, pour moi, c'est important d'avoir un vocabulaire qui est simple, qui est accessible. Mais ceci dit, encore, comme je le disais à la question précédente, ça prend à chacun son dégustateur, finalement. Il y a des gens qui vont avoir besoin de lire une certaine poésie dans une note de dégustation parce que sinon ça les branchera pas et ils iront pas vers ce vin-là. D'accord, donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis, qu'il y a des voix un petit peu pour tous les types d'amateurs. Et puis ce que je comprends, c'est que peut-être des fois, on a tendance à, ou on entend souvent du vocabulaire des fois qui est plus difficile
à saisir c'est quoi, mais si on se le fait expliquer au moins ce qu'on veut dire par un terme en particulier, ça peut aider les gens à démêler tout ça. Absolument. D'accord, puis si on pousse un petit peu encore dans la même lignée, comme tu sais, David, il y a certains auteurs qui, disons, qui font dans l'un peu plus scientifique ou l'un peu plus technique, par exemple, qui vont suggérer des accords vin-mets sur les bases de certaines molécules que le vin et la nourriture partagent ensemble. Selon toi, ce type d'approche-là ou de contribution-là, est-ce que ça aide au mouvement de démocratisation du vin ou est-ce qu'au contraire, ça le rend, disons que ça contribue à l'aura un peu de mystère là, et d'élitisme qui est autour du sujet? C'est une très bonne question. J'ai une opinion très personnelle là-dessus. Moi, je trouve qu'au début, quand ce mouvement-là de l'harmonie moléculaire a commencé, je trouvais personnellement que c'était très mal parti. On est vraiment parti au top, avec des termes très obscurs, et ça donnait l'impression que ça allait donner quelque chose de très élitiste. Mais je dirais que depuis les dernières 2 ou 3 années, on a tenté de démocratiser ça. Je pense entre autres à François Chartier, qui en est, si on veut, la figure de proue. Et je pense à sa ligne de vin qui vient de sortir. Essentiellement, ces vins-là, à eux seuls, demeurent des vins ni extraordinaires ni mauvais. C'est des vins qui sont bons, mais qui, une fois qu'on s'adonne au jeu, et là, j'insiste sur le mot jeu, que Chartier nous propose de les harmoniser avec des aliments précis, ils deviennent beaucoup plus intéressants, en fait. Et puis, je pense que cet élément de jeu-là fait en sorte que on attire les gens. L'aspect ludique va attirer les gens automatiquement. Et à cause de cela, je pense que là, on se dirige dans la bonne direction avec ces convictions harmoniques-là, le jeu moléculaire. D'accord. Moi, ce que je dis souvent à mes étudiants quand j'enseigne, c'est que cette approche-là, c'est un outil dans ta boîte d'outils, mais ce n'est pas nécessairement la seule façon, la seule approche qui est valable. Est-ce que tu aurais tendance à être d'accord avec ça? Tout à fait. Comme je le disais, moi, par rapport à ce mouvement-là, au début, j'avais certaines réserves. Je suis plutôt de l'école qui, j'aime pas qu'on m'explique un tour de magie. Je préfère garder mon émerveillement. Puis je trouvais que ça, c'était un peu décrypter quelque chose qui n'avait pas nécessairement besoin d'être décrypté. Sauf que plus ça va, plus j'apprécie personnellement l'élément de recherche qu'il y a derrière. Et surtout l'approche qu'on a faite pour convaincre les gens qu'il y a beaucoup de plaisir à y avoir avec ces harmonies-là. Donc effectivement, c'est un truc parmi tant d'autres, mais il n'y a rien comme d'utiliser ses goûts personnels pour bâtir des harmonies qui vont nous plaire à nous aussi. Ouais, c'est une belle analogie, j'aime ça avec le magicien et ses trucs. Dans un autre ordre d'idée, si on veut, on sait que quand un producteur élabore un vin, il peut choisir d'y aller, disons, un peu au gré du terroir, de faire des vins qui cherchent disons, à exprimer justement c'est quoi ce terroir-là, y aller plus en délicatesse, en finesse. Ou on peut aussi y aller avec diverses interventions qui vont faire en sorte qu'on va amplifier certains éléments, qu'on va donner des saveurs un petit peu plus intenses, un peu plus explosives, qu'on considère souvent comme étant, disons, plus plaisant à une plus grande masse. On associe souvent ces vins-là au terme le nouveau monde. J'aimerais savoir ce que tu penses. Est-ce que si nous, on est quelqu'un qui préfère justement ces vins-là qui sont plus nouveau monde dans leur style. Est-ce que c'est manquer de raffinement d'avoir cette préférence-là? Selon moi, non, c'est un manque de curiosité peut-être. Et surtout, ben, curiosité ou un manque d'occasion de découvrir autre chose, si on veut. Si on parle des vins qui sont plus de facture industrielle, plus fabriqués, si on parle
pas pour employer des gros mots, mais de levure sélectionnée et de, bon, encore là, de tour de passe-passe pour fabriquer un vin qui cadre dans un certain moule. C'est souvent ces vins-là qui sont les plus accessibles, qui sont les plus visibles aussi. Si un budget pour gosser ton vin de la manière que tu le veux, il y a probablement un budget promotionnel aussi, un budget qui va permettre à ton vin d'être très visible, d'être au bout de l'allée dans ta succursale d'alcool préférée. Donc, c'est clair que là, c'est pas un manque de raffinement qui fait en sorte qu'on va se jeter sur ce vin-là, mais peut-être un recours à la facilité ou un manque de curiosité. On va pas nécessairement aller dans l'autre allée où il se trouve autre chose, ou dans l'allée du fond, où les conseillers en vin nous ont fait des sélections qui nous intéressent. Donc, je pense que c'est surtout, je pense que le consommateur est là encore, les réseaux sociaux et les blogs qui pullulent sur le monde du vin vont sûrement aider ça. Faut encourager les gens à sortir de cette zone de confort-là et les encourager à faire les 3 ou 4 pas de plus qui mènent à cette bouteille-là qu'ils n'osent pas acheter parce qu'ils ont peur que le 15 $ valeur sûre qu'ils mettent sur la bouteille, qu'ils achètent à toutes les semaines et qu'ils aiment dans le fond, soit pas aussi rentable dans cette autre bouteille-là qu'ils n'ont jamais essayé. Il y a une crainte d'essayer, en fait, davantage qu'un manque de raffinement, je pense, qui est en jeu ici. D'accord, c'est vrai que les habitudes des gens, c'est pas évident à changer. De là, tout le pouvoir et les moyens investis dans le marketing. Donc, je pense que dans le monde du vin aujourd'hui, le rôle du marketing, justement, est très prépondérant versus il y a peut-être 20 ans, quand les régions vinicoles, les styles étaient beaucoup plus définis, disons. Maintenant, les frontières se sont peut-être un petit peu brouillées à cet effet-là. Puis le marketing, justement, est un outil maintenant de première importance. Absolument. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte, en fait. L'important pour le consommateur, je pense, c'est l'abandon. C'est de réussir à briser ce mur-là qui l'empêche d'aller vers cet autre vin-là. Et puis surtout, faut faire confiance à son instinct aussi. C'est tout à fait correct de faire un choix d'étiquette. Si l'étiquette nous plaît, si on la trouve jolie, ben allons-y pour celle-là. Si on aime le nom du vin, si on trouve ça amusant, ben c'est bête à dire, mais ça contribue au plaisir aussi. D'un autre côté, un jour, on peut décider d'oser acheter une bouteille à 30 $, 30, 35 $, et ça se peut qu'elle soit pas nécessairement notre goût, mais l'important, c'est d'explorer, c'est de se donner ce bagage-là qui va nous permettre de faire des choix de plus en plus éclairés à chaque fois. C'est un bon conseil, puis justement, c'est un bon lien avec ma prochaine question. Je me demandais si tu avais un autre conseil à donner à quelqu'un qui est nouvellement initié au domaine du vin, qui s'y intéresse beaucoup, mais justement qui est un petit peu repoussé ou intimidé par le fait là, qu'il a l'impression que cette montagne de connaissances-là qu'il doit posséder pour pouvoir naviguer. Le sujet, ce serait quoi comme conseil que tu aurais donné à quelqu'un comme ça? Ben, c'est pas un conseil autant qu'une vérité selon moi. Oui, il y a une montagne de connaissances qui se dresse devant quelqu'un qui commence à s'intéresser au monde du vin. Je veux dire, toi comme moi, Tom, on a tous commencé par un verre de vin à un moment donné. Mais je pense que tu vas être d'accord pour dire qu'après toutes ces années où on a consacré beaucoup de temps à étudier puis à explorer ce monde du vin-là, en tout cas, je parle pour moi, mais la montagne, selon moi, pas rétréci. Et peu importe où est-ce qu'on est dans cet univers-là, on a beau être un accrédité Master of Wine ou faire du vin depuis 40 ans, la montagne est toujours grosse, il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, plutôt que d'avoir peur, bien, il faut considérer ça comme une richesse. On ne se lasse jamais du vin. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, aussi bien s'y lancer, c'est
un trésor extraordinaire qui n'arrête pas de nous donner des belles découvertes et des belles surprises. C'est une très belle façon de voir les choses. Effectivement, on en apprend à tous les jours. Donc, David Pelletier, un gros merci d'avoir répondu à mes questions. Et puis, on peut te lire sur ton excellent blog, lesommelierfou.com. Merci et à la prochaine. Merci à toi, Tom. À très bientôt.